On est en direct, cette fois-ci le son fonctionne. On est bien 1-0 en direct. pour l'Argentine, penalty de Messi, avec moi Riyad et Bafodé. Voilà, l'Argentine qui concrétise sa domination avec cette ouverture du score sur penalty de Lionel Messi. Il y a Alvarez. Qui va servir à Tagliafico, McAllister. En une touche pour Di Maria, en une touche, c'est le 2-0. 2-0, l'Argentine qui fait le break sur un modèle de contre, Angel Di Maria, qui permet à l'Argentine de mener 2-0. Les Bleus sont complètement dépassés dans cette finale de Coupe du Monde. Non, on n'y est absolument pas. Absolument pas. Quand j'ai vu Upamecano faire le contrôle, je me suis dit, c'est bon, on va la garder au moins, histoire de respirer un peu. Perte de balle, contre très rapide. Et but pour les Argentins. Et pourquoi pas? Ah. Non. Oh là là, Colomani! Colomani, toujours au pénalty peut-être! Colomani! Pour l'équipe de France! Merci, ce match n'est pas encore terminé! Franchement, Colomani, c'est le seul. Hein. Tu veux que je te dise, depuis le début du match, franchement, ouais, ce penalty, il n'est pas encore marqué. Ouais. Allez, Kylian. Mbappé face à Martinez. Allez, Kylian, s'il te penalty plaît. Penalty pour laisser les Bleus dans le match. Et oui, c'est dedans. C'est pas fini. Oh, allez, c'est Kylian. Dedans. 2-1 pour l'Argentine. Les Bleus qui reviennent. Allez. Et la Macron. Là, qui s'est levé. Et là. Les Argentins, il y a deux solutions. Soit ils s'écroulent comme contre l'Argentine, et c'est comme contre les Pays-Bas, ou soit c'est celle qui va arriver. Ou soit ils bétonnent à fond. Oh, Martinez est pas loin. Ouais, il est pas loin. Elle est super bien tirée. Coman, faut récupérer le ballon. C'est bien. Le pied de Messi. Allez Coman. Coman toujours. Qui revient dans l'axe. Il y a Rabiot là. Rabiot toujours. Rabiot qui va donner à Mbappé. Mbappé pour Thuram, le 1-2 avec Mbappé. Mbappé. J'en ai une crampe. Oui. Oh putain de merde. Oh là 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 là. Allez. C'est rien. On la relève là. J'ai une crampe. Sur Coman pour le contre. Oui. Ouh, c'est coupé. Non, il se relève. Non. Vite. Ah mais l'arbitre il est. Ah non mais l'arbitre tous les jours il doit laisser l'avantage, c'est n'importe quoi. Non là c'est pas sérieux. C'est pas sérieux ce que tu fais, monsieur l'arbitre. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, non. Merci, Nas, c'est un bâtard. Il doit laisser l'avantage, c'est honteux. C'est où tu laisses l'avantage, où tu dis jouer. Enfin, mais. Faut donner une décision. Attention, la hauteur Martinez, Messi. Attention. Oh là là, Martinez. Messi, Martinez, le frappe. Messi, il est But. 3-2. 3-2 pour l'Argentine. Aïe, aïe, aïe. Alors, on disait que les Français étaient dans un contre-coup. Et il le paye. 108e minute de jeu, l'Argentine qui reprend les devants dans ce match. Aïe. Coman. Ouh, c'est bien. Allez, à la retombée. Bappé. Penalty pour l'équipe de France. L'arbitre qui siffle. Bappé qui s'élance petit. Pam. C'est trop bien. C'est partout. C'est quoi cette finale les gars? Mais on vit un truc de fou les amis. 3 partout à 3 minutes de la fin des prolongations. Eh, j'en peux plus les gars. Fofana au milieu de terrain en une touche. C'est parti. Attention, il reste 10 secondes. Attention, le contre argentin. Attention Messi. Mais c'est Montiel, il est frais. Montiel, il rentre dans la surface. Montiel, il se rentre. Martinez, c'est à côté. Oh là là, la balle de match pour Fofana et pour Martinez. Colomani, il avait la balle de match. C'était Colomani. Donc là, il passe le vide. Donc ils repartent encore 2-0. Ça va être difficile. Trois pénalty face à la gardien. Martinez. Oui. Oh, Martinez était bien parti. Autoritaire. Et c'est dedans. Autoritaire. Et il lance bien l'équipe de France dans cette séance de tir au but. C'est ça, Kylian, c'est ça. Oh là 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 là. C'est comme ça qu'on montre l'exemple. C'est comme ça. Ouh là 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 là. Eh, Martinez est pas. Franchement, à mi-hauteur comme ça, c'est peut-être les pires tirs. Et c'est Messi. Et Messi. Les deux numéro 10. Exactement. Buteur, double buteur, Messi.
Et Mbappé qui terminera meilleur buteur de la Coupe du Monde. Oui, avec 8 buts. Sous les dents de cette Coupe du Monde. Exactement. Et là, le titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde va jouer sur la penalty. Messi face à Lloris. Allez, Lloris, faut nous. Allez, Lloris, faut la sortir. Faut nous sortir un arrêt. Faut nous sortir au moins une. Riyad qui dit là-bas. Non, je n'ai rien dit. Là. Allez, s'il te plaît. Ouais. Allez. Tu n'assumes pas tes prises de position. C'est parti pour Messi. Oh, mais Lloris, c'est terrible. Mais c'est quoi, couche-toi à côté du débute aussi. Mais il est vraiment. C'est dedans pour Messi. Il est vraiment très mauvais dans cet exercice. Non, il est pas bon. Hein. Oh, mais c'est affreux. C'est Coman. C'est Coman qui va être le deuxième tireur. Représente le 77, s'il te plaît, Coman. La connexion Bafo des Coman. Bien sûr. C'est, n'oublions pas que la remontée est venue de Bafodé avant que l'Omani. Avant que l'Omani. Sénar moi aussi, vas-y, ça joue. Ah non, c'est bon là, j'ai même peur que mon cœur il sort là. Voilà, Coman. Allez. Ah, Martinez, on a un spécialiste, hein. Coman est arrêté. Martinez. Je sais pas pourquoi je le sentais. Moi aussi, je le sentais. Ouais, je le Martinez sentais au penalty, c'est... Ouais, il est injouable. Très, très bon. C'est dommage que Maignan, Mike, là, tu nous manques. Et lui-même, il le sait. Les vrais, ceux qui se connaissent savent qu'il manque, là, Mike. Ah ouais. Il a plongé du bon côté, Martinez. Ah, il est excellent dans cet exercice. Avec Martinez, t'as l'impression que c'est fort sous la barre et c'est tout. Hein. Ouais, parce qu'à la placer sur un côté, il devine facilement. Et puis, il part... tellement rapide. Et là, c'est Dybala. Hugo, s'il te plaît. Dybala qui est entré il y a 2 minutes, qui a joué 5 minutes dans cette Coupe du Monde. Oui, c'est ça. Qui a joué 5 minutes. C'est ça. Allez, une balle pour mettre l'Argentine devant. La Coupe du Monde. Exactement. Allez, s'il te plaît, Hugo. Dybala face à Lloris. Mais non, mais il est vraiment nul, c'est pas possible, Hugo. Ah, il part 10 ans avant. Quoi. Et c'est dedans pour Paulo Dybala. T'es entre l'euro et là, il va en arrêter aucun. Bah, il a arrêté le pénalty. Oui, pendant le match. Le match ouais. Mais là, les séances de tir au but, là, c'est... Ouais. Et l'Argentine qui fait le break dans cette séance de tir au but. Qui sera le troisième tireur français? Je ne vais pas regarder. C'est Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni. Voilà. Si on la loupe une nouvelle fois, ça va mal barré, hein, cette histoire. Martinez. Mais Martinez en pénalty, t'as l'impression que... C'est un spécialiste, c'est un vrai spécialiste, c'est un vrai spécialiste. Je la sens pas très bien, celle-là. Tchouaméni, Martinez. Ouais, Tchouaméni. Puis s'il lui parle en espagnol, Tchouaméni va comprendre. Ouais. Allez, Tchouaméni face à Martinez. Oh, c'est arrêté. Ouais, c'est à côté. Ouais, bon, là, ça sent les. Ouais, ça sent mauvais. Ça sent très mauvais. Ça sent très, très mauvais. Non, mais déjà, quand tu pars à la séance avec, avec ce gardien-là. Quand tu pars avec un gardien comme lui, déjà, c'est. Bon, après, faut dire que, bon, les. Celui de Coman et Tchouaméni, c'est pas bien tiré. Oh, comment il le tire. Regarde en plus. Il est dans sa séance. Ah, il est dans sa séance. Il est dans sa séance. Il travaille que ça, t'inquiète pas pour lui. C'est vrai. Bon, là, Paredes. Allez, Paredes face à Hugo Lloris. Et là, les Argentins qui peuvent avoir potentiellement 2 buts d'avance dans Hugo, cette séance de tir au but. Non, à part si la main à côté, cherche pas à savoir entrer. Ouais. Allez, Hugo, s'il te plaît. Hugo, s'il te plaît. Mais c'est pas bon, il est vraiment nul. Hein. C'est fini. Il est vraiment nul. Non, c'est pas fini. Hein. Non, mais. Là, si le français rate, c'est terminé. Parce que même quand elle est sur lui, si tu l'as pas. Quand elle est sur lui, il est pas dedans. Vas-y, c'est. Oh là là, putain, c'est terrible de finir comme ça. Terrible. C'est pas son exercice favori, hein, voilà. C'est comme ça, malheureusement, pour l'équipe de France. Qu'est-ce qui est parti, c'est Thuram? J'arrive pas à voir. Ah, c'est Colomoigny. Le jeune. Ah, attention, s'il rate, c'est terminé. Ah, hein. C'est fini, ouais. L'Argentine est championne du monde. Colomoigny. C'est plein centre. Plein centre. Fort. Et là, le tir au but. La balle de match. Première balle de match, en tout cas. Ouais, première balle de match pour l'Argentine. Ouais. Et là, s'ils en ratent deux de suite. Moi, tu ce que tu veux, hein, qu'ils gagnent 2-0 et qu'ils perdent à la fin. Mais là, qu'ils en ratent deux de suite alors que c'est Lloris dans les buts. Il y a juste à la cadrer, c'est fini. Hein. Montiel, celui qui a concédé le pénalty qui pourrait donner le titre à l'Argentine.
Eh, c'est moment de vérité. Montiel, face à son destin, face au destin de l'Argentine. Hugo, s'il te plaît. Hugo. Oh. Hugo. Non, mais. Faut mais franchement, avec tout ce que t'as vécu, ça me fait mal au cœur. Hugo. Laisse-le, laisse-le espérer. Hugo. Allez, Montiel. Hugo. Face à Hugo. Hugo, faut Lloris. La sortir celle-là. Eh oui, l'Argentine est championne du monde. Félicitations à l'Argentine qui décroche le titre au bout de la séance de tir au but.